Ils arpentent les rues et campaient sur les places, chargés d'objets obscurs, de graines ou bien de vin. Que sont donc devenus la rembailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises? Ils ont bien disparu, le crieur de marrons, l'écorcheur de lapins et le chanteur des rues. Disant déjà que Somina emprunte chaque jour la même route. Alors bien sûr, ici, il connaît tout le monde. Hector, le ferrailleur, ou Marie, la vendeuse de poules. Somina, ennemie à Dogwe. Soke. Ok. Kade. De bon matin, ils sont des dizaines, des centaines ou plus, à prendre le même chemin, celui qui longe la voie ferrée désaffectée et conduit des quartiers populaires au marché du centre-ville. Ce matin, Somina fait route avec Francis, son ami coiffeur. Francis n'a pas de mal à trouver ses premiers clients. Il est, dit-on, un des meilleurs coiffeurs ambulants de la capitale togolaise. Pour changer de style, le client n'a qu'à choisir sur les photos proposées par Francis. 5 ou 10 minutes suffisent pour ressembler à Tyson ou à Carl Lewis. Je suis allé un peu partout, au Ghana, au Togo, au Bénin. Je bouge tout le temps. Avec mon attirail, je trouve du boulot. Je gagne 100 francs par-ci, 100 francs par-là, pour manger tout simplement. Je suis allé à l'école. Je connais bien les livres, mais je n'avais personne pour m'aider, pour m'apprendre plus et aller plus loin. C'est pour ça que j'ai dû faire ce métier. Somina, lui, continue son périple. Pour vendre, il parcourt chaque jour tous les marchés de la ville. Oh,